Les marchés des producteurs de pays ont été créés en 1998. C'est une initiative de Madame Chosal Viel, alors présidente de la Chambre d'agriculture de la Corrèze, également responsable national du réseau Bienvenue à la ferme. Monceau, Beaulieu-sur-Dordogne et Naves ont été les premières communes à en organiser. Les marchés des producteurs de pays ont été mis en place pour trois raisons principales. Trouver des débouchés économiques pour des producteurs et des agriculteurs qui s'engageaient dans la diversification et dans la transformation fermière et la vente directe. Une deuxième raison, c'était aussi que le monde agricole pouvait aussi, à travers ses producteurs, être acteur de l'animation touristique sur un territoire et au travers aussi des communes ou des associations, participer à une très grosse animation de l'été. Avec le soutien des opérateurs comme le Conseil départemental de la Corrèze, désormais, les marchés des producteurs de pays, c'est un événement dans l'été corrézien. Et donc les marchés des producteurs de pays, c'est un réseau de 17 communes, organisatrices de marchés réguliers de juillet à août, une fois par semaine. Un marché des producteurs de pays, c'est effectivement basé sur un cahier des charges. Il garantit une chose, c'est la traçabilité des produits proposés par les exposants. Et majoritairement, ce sont des exposants agriculteurs, mais auxquels on peut ajouter effectivement aussi des artisans locaux, notamment les boulangers de la Corrèze, parfois aussi quelques bouchers qui proposent à ce moment-là de la transformation viande de race limousine ou de race locale. La Chambre d'agriculture et ses partenaires, le département en particulier, ont accompagné aussi les démarches collectives des agriculteurs. Il y a le drive fermier, il peut y avoir aussi des magasins de producteurs, il peut y avoir aussi des rayons de produits fermiers spécialisés, origine Corrèze. Pour les drive fermiers, eh bien c'est l'équivalent de marché des producteurs de pays, mais en ligne. Donc vous allez sur le site internet drive-fermier-corrèze et vous avez pratiquement la gamme d'un marché de producteurs de pays de l'été. La vente directe, c'est la saisonnalité et c'est la traçabilité. L'affluence, elle répond forcément au contexte et à la façon dont le site est aménagé aussi. Nous retrouvons notamment à Beaulieu, sur Dordogne, à Monceau, sur Dordogne, à Bénat ou encore à Mémac, des sites qui peuvent accueillir près de 1000 personnes. En tout, sur la saison, c'est pratiquement 80 000 personnes qui viennent sur les marchés des producteurs. C'est une vitrine avec les producteurs qui sont issus des réseaux Bienvenue à la ferme et énormément d'entre eux sont également adhérents et membres du réseau Origine Corrèze et de son agrément.